comment on a eu une maman aussi longtemps que Barosa l'ensemble va prospérer, va tenir les bosses dans ma communauté Baolina Basala. Je vais t'honorer. Voilà, tu l'as fait, toi et Jonathan. Vraiment, vous avez obéi à vos promesses. Pebo Salé Liango. Je dis merci, car c'est pas facile. Vous avez traversé beaucoup de montagnes, beaucoup de zigzags, beaucoup de bambongé, comme on dit toujours à Lingala. Mais Dieu était là. Dieu vous a assisté, nous aussi. Nous étions là et par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés aujourd'hui, le 30 juin. Je bénis l'Éternel et je te dis merci, car tu m'as honoré. Vraiment, tu m'as honoré. Tu as respecté ta promesse et aujourd'hui, tu l'as exécutée. Je te dis merci. Jonathan, je crois que le mot merci est insuffisant pour témoigner ma gratitude envers Dieu de t'avoir mis sur mon chemin. Ik geloof dat het woord dankjewel weinig is om de Heer te danken dat hij jou op mijn pad heeft geplaatst. C'est vrai que tout avait commencé comme un jeu. Het is waar dat alles begonnen is als een grap. Et voilà aujourd'hui, 8 ans plus tard, maar kijk, 8 jaar later als man en vrouw. Durant notre parcours, on a tellement été combattus. In onze pad, we zijn veel bestreden. Mais jamais abattus. Maar zijn niet verslagen. Amen. Si je suis la femme que je suis aujourd'hui. Als ik de vrouw ben die ik ben vandaag. C'est grâce à Dieu. Is het door God. Grâce à mes parents. Door mijn ouders. Mais aussi une très grande partie grâce à toi. Maar ook een grote deel door jou. Tu as investi en moi dans chaque domaine de ma vie. Je hebt in mij geïnvesteerd in elk domein in mijn leven. Et tu continues à le faire jusqu'à aujourd'hui. En je doet het nog steeds vandaag. T'avoir dans ma vie. Jou hebben in mijn leven. Est une réelle bénédiction. Is een echte zegening. Et être ta femme est une grâce. En vrouw zijn is een genade.